poursuite des actions humanitaires de l'association Sylvain Gomard-Rodrigue en sigle ACGR avec la désinfection des postes de police de Pointe-Noire. Pour cette campagne, c'est le poste de Ngoyo qui était le premier à être nettoyé et désinfecté par les membres de l'association. Balai à la main, seau d'eau pour nettoyer et brouette pour les jets d'ordures ramassés, tel était le décor qui a prévalu dans l'enceinte du poste de police du 6e arrondissement. Juste après, le tour est venu au poste de Mpita de recevoir les membres de l'association ACGR pour la même opération. Le point de chute de cette première phase de nettoyage et désinfection des locaux de la police a été le commissariat géré par la brigade anticriminelle. À la fin de cette ronde, le secrétaire général de l'association Sylvain Gomard-Rodrigue s'est félicité de l'accueil des responsables des commissariats ciblés et évoque les objectifs à venir. Partout où nous sommes passés, il y a eu d'abord une bonne réception pour tous ces commissariats. Et il y a eu aussi des félicitations des passants. Ils nous ont félicités, ils nous ont demandé d'apporter un peu plus dans nos actions et de leur toujours souligner ce que qu'ils déclarent qu'on fasse encore de plus pour ces commissariats-là. Nous nous sommes fixés des objectifs après les commissariats de la place. Nous allons maintenant entreprendre un programme concernant les écoles publiques. Donc nous nous sommes fixés cet objectif-là pour au moins un délai de 3 mois. Notons que l'association Sylvain Gomard-Rodrigue poursuivra cette campagne de désinfection et nettoyage des postes de police et gendarmerie dans tous les arrondissements de la ville.